on a tout essayé, même sans le patron. Avec moi ce soir, Ferry Cochin, Jérémy Michalak, Caroline Diamant, Elsa Fayère, Stevie Boulet, Gérard Miller. Moi, j'ai un souci. Demain, c'est la fête des pères. Et autant on sait quoi offrir à une maman, parce que les femmes sont quand même moins difficiles. En plus, on a le choix entre les petites fringues, les petits bijoux, les petits parfums. Autant, alors, pour un papa, c'est un casse-tête. Le premier cadeau que j'ai fait pour la fête des pères, c'était... J'avais piqué à mon père qui fume le cigare. J'avais piqué une boîte de cigares. J'avais collé de la feuille d'aluminium dessus. Mmh. Avec une allumette, j'avais fait un dessin. Et après, avec de l'encre de Chine, je repassais sur l'aluminium. Ce qui faisait un super, ça faisait un super truc, en fait. Non, mais à 30 ans, tu fais plus de travaux manuels. Je veux dire, tu peux pas arriver à aller voir mon père en lui disant « Papa, quelque chose d'un peu plus... » Jérémy. Non, moi, j'ai pensé à un truc pas cher et qui va faire plaisir à mon père. C'est une nuit avec Elsa. Ça, c'est pas cher et ça fait plaisir à tous les coups. Il est temps de passer au baillon fort. Premier baillon. Pourquoi le prêtre Piotr Mrozik s'est-il fait arrêter en passant la frontière biélorusse? Parce qu'il avait avec lui quelque chose qu'il ne devait pas transporter. Ça a rapport avec l'alcool? Son véhicule n'était pas en règle. Ah, dans une papamobile. Il était sur un fastoche. Âne. Ah, parce qu'il était un vélo. Il était sur un vélo, on va trouver son... Dans il une était... voiture. Il était une voiture qu'il avait pas la plaque. Comme dans la pub. Écoutez, moi je connais la solution, non, non. Je peux la donner. On peut quand même laisser parler ceux qui savent. Attendez. Laissez la science parler. Oh cet quelle homme, prétention. Laissez la science et la modestie parler. Ah, je rêve que t'es pas la bonne réponse. Cet homme était dans une voiture inattendue pour un prêtre. Il était dans une voiture de luxe. Une Ferrari ou une Jaguar ou quelque chose de ce genre. Mais non, c'est une voiture volée. Je sais. Une voiture volée, dans une voiture empruntée. Je dans sais. Une papamobile. Comme dans la pub. Dans le coffre d'un camion. Dans le coffre. Oh mon Dieu. Comme dans la pub, il a abandonné sa dodoche pour la nouvelle C4. Non, alors. Non. Il manquait quelque chose dans sa trousse de secours. C'était une espèce de. Un gilet de sauvetage. Non. Un alcotest. Non. Il manquait un airbag. Quelque chose. Du carburant, tout simplement. Il a dû, pour passer cette frontière, faire un achat très gênant pour un prêtre. Des préservatifs. Des préservatifs, bonne réponse. Attendez. Je l'ai dit, la capote. Je reconnais que j'ai entendu préservatif simultanément de la part de Gérard et de Caro. Je demande un arbitrage à Catherine Barma parce que franchement, là, je ne sais pas à qui accorder la bonne réponse. Que ceux qui pensent que c'est pour Caro. Caro, Caroline, me dit-on. Alors écoutez bien. Tout Polonais passant la frontière biélorusse doit avoir à bord de son véhicule non seulement une trousse de secours, mais aussi des préservatifs. Je trouve que c'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure qui pourrait supporter quelques exceptions. Oui, hein, c'est vrai. Vous voyez, par exemple, celle-là est assez une bonne mesure du tout. Je suis tout à fait d'accord. Laisse ton point à Caro. J'ai pas entendu qui avait gagné. Caroline Diamant. Eh ben voilà, ça c'est pareil. C'est pareil. Alors, Elsa, contre qui tu votes? Contre Stewie. Ah bah très bien, moi Elsa. Ah bah non, oui, non. Gérard. Stevie également. Perry. Moi, je suis solidaire. Stevie, voilà. Michalak. Allez, hey, Gérard. Allez, on part. Et comme c'est le maillon fort, c'est toi qui pars. Bye bye. Allez. Ça, c'est pas ça, là. Hein. Cette jalousie. Bravo la science, éliminée dès le premier tour. Merci la science. Comment deux faux policiers se sont-ils fait trahir récemment à Besançon? Ils étaient déguisés en prêtres, ils avaient plein de capotes. Non. Ils sont allés voir des prostituées? Bah, c'était le costume qui merdait. Ils avaient des matraques en plastique. Ils étaient dans une voiture pas tout à fait normale. Gérard? Ah, moi je suis éliminé, moi je m'en fous. Gérard, tu lui as soufflé. Je ne m'intéresse plus. C'était une Ferrari. Bonne réponse. Deux
Rodolfo Polizzi a fait... Alors, non, mais... Les deux hommes, dont l'un n'avait pas pu devenir CRS pour cause de petite taille... ouais, ça arrive, hein. ...disposaient de la panoplie complète de gardiens de la paix, gyrophares, menottes, matraques, pistolets en plastique, mais ils avaient négligé un détail. Même avec un logo police, une Ferrari passe difficilement pour une voiture des forces de l'ordre. Bravo, Jérémy. Perry, Stevie. Contre Perry, parce que Gérard a tenté de lui donner la bonne réponse, je suis extrêmement jalouse. Gérard, tu mets ton baillon. Oui, je le mets, justement, voilà. j'étais en train de le mettre. Non, mais c'est tu le mets. C'est incroyable comme... Allez, vas-y, vas-y, Callaghan. Parce que je t'ai vu souffler. Stevie. Perry, parce que c'est une tricheuse. Bon. Oh, mais ils sont malades. Perry, pour tentative de triche. Quelle méchanceté, si j'avais su, j'aurais pas voté pour Perry. Adieu, Perry. Et ben alors, comme ça... Les hôtesses qui remettront les médailles au JO 2008 de Pékin devront soigner leur apparence. Pas de tatouage, pas de boucle d'oreille et pas de... Cheveux longs. Lunettes. Non. Cheveux longs. Nombril. Non. Cheveux colorés. Pas non. De décolleté trop profond. Non. Faux sein. Pas de soutien-gorge. Faux sein. Non. Pas de piercing au sein. Pas de poils sous les bras. Non. Quand même, pas elles ne doivent pas siècle. Focaliser l'attention sur cette partie de leur corps. Sur leur corps. Décolleté. Non. Sur leur cul. Sur leur cul. Oh, hein. J'ai dit en même temps. Mais je comprends pas, pas de cul. Postérieur trop rebondi, pas de postérieur merde, trop rebondi. Merde, c'est nul. Et d'un coup, les d'oreilles c'est toujours tentent du cul à leur donner elle, une apparence sordide, tandis que des postérieurs trop rebondis pourraient focaliser excessivement l'attention ont rapporté les médias d'État. Donc, les Chinoises devront avoir des petits... Mais elles en ont déjà pas beaucoup. Elles ne sont pas connues pour des postérieurs, c'est justement... pas des Brésiliennes non plus. Hein. Stevie, contre qui tu votes? Elsa. Allez. Elsa. Oh, c'est pas vrai, moi aussi, oh. Quelle coïncidence. Jérémy. Ouah, le hasard. Oh, putain. Dis donc. C'est dingue. Wow. Merci. Salut, Elsa. Merci beaucoup. Des milliers de Sud-Coréens ont pu lire ceci. En dépit de ses défauts, un âge un peu trop avancé et une taille trop petite, elle a tout bon par ailleurs. De quoi s'agit-il? D'un animal. Non. D'une femme. Oui, il s'agit d'une femme, mais de quoi... Qui va représenter que quelque chose. Non. Elle a une tête de madone. Non. Donc, ben, elle est intelligente. Elle a tout bon... Je sais qui a pu mettre... Je vais les mettre voilà. Sur la voie. Qui a pu mettre cette petite annonce? Le gouvernement voilà, déjà, sud-coréen. Vous avez déjà un indice. C'est une parc d'attractions. C'est une petite annonce. Petite annonce mise par quelqu'un qui, manifestement, oui. Voulait quand même s'en débarrasser. Pardon. Ah, quelqu'un qui a vendu sa femme. C'est son mari qui veut se débarrasser d'elle. Pas son père. Son fils, il veut vendre sa mère. Son père. Bah oui, son père. Bonne réponse, mais c'est très élégant. Largement, papa. Largement aidé par Gérard Villers. C'est une annonce écrite par un millionnaire sud-coréen qui veut marier sa fille de 38 ans. Ce millionnaire a reçu en 4 jours 200 candidatures pour épouser sa fille. Le père sexagénaire, dont l'identité n'a pas été divulguée, possède une fortune de 107 millions de dollars. Ah ben, j'ai bien pacsé avec elle, moi, dis donc. Attends, si je peux toucher la moitié. Bonne réponse de Caroline Diamant. Stevie, tu votes contre Michalak. Michalak, tu votes contre Stevie. Stevie. Et Caroline. Et Caroline contre Stevie. Au revoir, Stevie. À la fin, mon chouchou. Attention, dernière question du baillon. Après avoir transporté le pape Benoît XVI et son secrétaire d'État, pourquoi une compagnie aérienne italienne a-t-elle écopé d'une amende? C'est alors, ça. C'est la compagnie aérienne qui a écopé parce qu'ils ont servi de l'alcool. Non. À des, ils ont servi non. Quelque chose qu'ils non. N'auraient pas dû servir. Pas du porc, tout. Du poisson à Vendredi Saint. Non. Est-ce qu'il y a un rapport avec la religion? Ça aurait pu? Non, aucun rapport avec la religion. Eh bien, ils n'avaient pas de papier ou alors... Bravo, bonne réponse, ils n'avaient pas de papier. Bonne réponse de Caroline Diamant. Lors de son voyage au Brésil, le pape Benoît XVI et son secrétaire d'État ont atterri sans passeport. Les autorités brésiliennes ont sanctionné la compagnie italienne pour avoir transporté deux étrangers sans papier. Eh, bah oui. Oui. Eh bien, ma chère Caro, tu vas annoncer bravo. Notre invité. Notre invité de la semaine.
semaine, tout comme le Père Noël, une ordure quand il monte sur scène et un animateur fou furieux capable de croquer un piment, de s'épiler le bras ou de retirer son string pour faire son mariole. Sa vie est une fête, tendance pipi caca. Les ados adorent ça. Je vous demande d'accueillir Cyril Hanouna. Bonsoir. Alors Cyril Hanouna, donc, depuis 1998, vous faites le mariole à la grosse émission de la chaîne Comédie. Comédie, oui. Comédie, vous continuez c'est... toujours? Non, j'ai arrêté ça. Ah, bon, d'accord. Alors attendez, vous êtes toujours avec Arthur sur Fun Radio? Alors Arthur, déjà, ça fait, il fait plus non, de radio depuis 1983. Enfin, je voulais le dire, depuis la victoire de Yannick Noah. Excuse-moi, donne-moi tes fiches là, parce que là, c'est tout et n'importe quoi. Elle a... Elle a pas tout, me détruit ma carrière. Bon, bah présente-toi, vas-y, dis bonjour, je suis Cyril Hanouna. Bonjour, je suis Cyril Hanouna, je suis célibataire. C'est voilà. Pas vrai. Dans la doc, il y a marqué que vous êtes peut-être non, non plus, c'est sur le point vous de vous marier. Prêt à se marier. Non, ça c'est la bio de Julien Lepers encore. Hein. Et elle s'appelle Émilie. Oui, c'est vrai. Elle est là ce soir. Et vous lui avez offert une bague planquée dans un frigo, on est au courant de tout. Ah c'est quoi, si est-ce que c'est vrai ou non, ça c'est vrai. C'est vrai que cette histoire voilà de bague info. Dans le frigo, c'est vrai qu'un jour j'ai offert une bague à ma fiancée, je ne savais pas où la mettre, donc je l'ai cachée dans la viande dans le frigo. Non mais c'est sympathique, il lui a dit va chercher quelque chose dans le réfrigérateur. Et elle a ouvert, et elle a trouvé la bague. Alors attends, avant qu'on en arrive à sa vie privée, je vais essayer de trouver une info qui est bien. Vous êtes avec nous ce soir pour l'émission Hanouna Plage. Oui, ça c'est bon. Que c'est vous bon. Animerez tous les dimanches à 20h20, ouais. À partir du 1er juillet sur France 3. Tout ça, c'est bon. Et je rappelle aussi que vous animez La Bonne Touche, ouais. Avec Jean-Pierre Foucault. Bravo. Ça, c'est bon. Fort. Fort. Alors, on va reparler tout à l'heure de l'émission de France 3. C'est vrai qu'on est service public, donc ah on oui, est content de parler des émissions de l'été. Et moi, franchement, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai adoré le concept. Ah voilà. Bah merci. Et c'est rare qu'un concept comme ça de télé me parle, bah me plaise. Ça va être les vacances. Voilà, on va s'amuser. Mais moi, c'est un truc que j'aurais aimé faire. Concept. J'adore aller à la rencontre des gens, donc là, je vais aller les voir, je vais les faire déconner, je vais les faire s'amuser. Voilà. Bon, alors avant de parler de cette émission sur le camping, je voudrais qu'on revienne à l'émission que vous faites avec Foucault. Ouais. Avec Jean-Pierre, c'est l'osmose, vous êtes devenu, ouais, dit-il, le fils qu'il n'a pas eu. Professionnel, hein, il dit. Professionnel. D'ailleurs, maintenant, j'ai une mèche sur le côté, hein, comme Jean-Pierre. Vous pouvez le voir, je fais non, tout mais comme alors, lui. Non, mais alors, Jean-Pierre, c'est pas un grand déconneur. Donc, ah, si. Oui, je trouve que c'est un mec avec choix. Où il est venu là, on s'est vraiment marré. Ouais. C'est quelqu'un qui a de l'humour, mais dans ce qu'il fait à la télévision, je trouve qu'il est toujours un peu en réserve. Non, mais c'est pas il ça. Il est c'est... allé chercher un mec complètement déjanté, quand c'est, même. C'est pour, je vais vous dire, c'est aujourd'hui, on est obligé de s'édulcorer un peu si on veut passer sur les grandes chaînes. Moi, ouais. Jean-Pierre, mes parents l'écoutaient quand il était sur RMC. Jean-Pierre, il faisait des parodies, il déconnait. C'était vraiment, on le connaissait parce que c'était un déconneur avant. Ouais. Mais il a toujours beaucoup d'humour et nous, franchement, on se marre tous les matins sur RTL. Alors, c'est un jeu dans lequel vous posez des questions en tout genre et dans le lot, il y a des anachronismes. Alors, moi, ça me fait mourir de rire, les anachronismes. Alors, on vous a demandé de préparer un petit quiz. Allez, on y va. Alors, ça s'appelle une chronolade. C'est Attila fait. Aurait-il pu faire de la natation synchronisée? Si. Oui. Peut-être. On a oui. Ah non, oui. Mais c'est oui ou non. C'est entouré. C'est pas clair. Ah, pas mal. Bon, alors, je vais vous dire, il y a quatre bonnes réponses. Alors, ce sont les... Eh oui, ce sont les oui. Ce sont Attila aurait pu faire de la natation synchronisée avec Muriel Hermine, d'ailleurs, qu'on embrasse. Et pourquoi? Ça, c'est bon. J'ai dit oui, parce que spontanément, j'allais dire non. S'il pose cette question, c'est qu'il y a une ruse, et donc j'ai répondu oui. La natation synchronisée était pratiquée dès l'Antiquité par les Grecs pendant les Jeux. Et oui, comme divertissement, ils s'amusaient à faire de la natation synchronisée. Et la première compétition a eu lieu à Wilmette, aux USA. Et voilà. Deuxième question, attention. Allez, Charlemagne aurait-il pu être pompier? C'est important, ça. Encore. C'est important, je suis sûr que les téléspectateurs se posent la question chez eux. Pompier, le vrai terme pompier ou quelqu'un qui ferait le pompier? Non, pompier des villes, je ne sais pas. Pompier des... Avec le casque. Oui, c'est ça. Non, pompier. Pas le casque, il n'y avait pas le casque. Pas forcément avec le casque, pompier. Avec le camion rouge, quand même. Alors, on a...
Eh ben on a quatre bonnes réponses. Ah voilà. C'est les oui. Ah. Eh oui, Charlemagne aurait pu. Au temps de l'Égypte ancienne, on pense que des pompes manuelles ont été employées pour éteindre des incendies. J'ai répondu non parce que spontanément j'aurais répondu non, donc j'allais répondre oui. Je me suis dit il va pas faire deux fois le même coup. Tu vas pas nous raconter ta life. Rasputin aurait-il pu souscrire une assurance vie? Rasputin. Ah. Moi, je réponds avant d'entendre la question et je maintiens ma réponse. Pour quel motif? Car je considère en effet que les assurances existaient bien évidemment avant Rasputin. Bon, en Angleterre, notamment, il y avait déjà des assurances. Je vais ramasser les copies. Hein. Je mets oui, mais... Tout le monde a raison, bravo. Allez, Georges Pompidou aurait-il pu faire du saut à l'élastique? Non, alors j'attends Perry. Moi, je vais dire oui. Pas pu en faire. Et non, il faut se poser une heure. Au début des années 70, et le saut à l'élastique a été inventé après. Oui, mais il y avait des fous qui faisaient ça. De nous tous, c'est le seul qui a connu Pompidou. Pompidou. Pompidou est mort en 1974. En 74. 74, et le saut à l'élastique a été créé après. En 79. Voilà. Moi, j'aime bien faire ça. Cet été sur France 3, donc Hanouna... Il y aura du jeu d'ailleurs. Alors Hanouna Plage, c'est à quelle heure? C'est à 20h20. C'est tous les jours? C'est une fois par semaine. D'accord. Et vous choisissez le camping? Dimanche, c'est une fois par semaine, ma chère. Oui, exactement. C'est tous les dimanches. Est-ce que c'est tous les jours? Non, le dimanche. Non, mais si vous avez de l'animosité envers Christine Bravo. Ah non. Bon, monsieur, ça, j'accepte pas. Ah non, mais ça, vous auriez. Mais alors, Cyril, comment ça se passe? Vous avez choisi les campings? On a choisi les campings. On va aller à la Tranche-sur-Mer, d'ailleurs. S'ils nous regardent, nous arrivons. Voilà, on va aller à la Tranche-sur-Mer. C'est pas tourné encore? Pas encore. Là, je vais tourner fin de semaine prochaine. D'accord. Puis on tourne tout juillet ensuite. Elsa? Ah, moi, c'est marrant, je me suis découverte. Luna? Ah oui, bah, on se connaît bien, on a fait Fort Boyard ensemble. Mais c'est marrant, qu'il est sympa? Mais bien sûr qu'il est sympa, mais il est foufou, il est prêt à tout, il se jette dans l'eau. Il se jette dans l'eau. Le mec, il a sauté dans une piscine. Un plat de pâtes comme ça, quoi. Vraiment, c'est un dingue, quoi, ce mec-là. Ce qui est agréable avec lui, c'est qu'il est toujours partant. Il a cette espèce d'inconscience de ce qui va lui arriver et il y va. Donc j'imagine que vous allez vous éclater cet été et tu vas délirer. Non, je veux que, moi, à chaque fois que je suis dans les rues, les gens me reconnaissent dans la rue, ils viennent me voir, ils me disent ouais, Cyril, moi j'ai envie de déconner, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de faire des défis. Les gens aujourd'hui, ils ont envie de déconner. Donc je vais aller à leur rencontre et je vais les faire déconner. Ça va être les stars du programme. Et ils vont déconner, ils vont faire des défis, ils vont chanter, ils vont danser. Ça va être les vacances. Non, c'est pas... Non, mais c'est rigolo. Mais chanter d'une certaine manière. Oui, il va leur faire chanter du karaoké. En fait, tu vas chanter les paroles sur un autre air. Exactement. Ça va être grotesque, c'est rigolo. Par exemple, je vais vous dire, voilà, par exemple, on va prendre au bal masqué de la compagnie créole. Tout le monde super a déjà... Tout le monde la connaît. Tout le monde a fêté des mariages, des divorces au dessus. Au bal masqué. Eh bien, si je mets au bal masqué sur l'envie d'avoir envie de Johnny, ouais, ça ferait « Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, car aujourd'hui, oui, tout est permis, au bal masqué, oh, et oh, ohé, elle ne peut pas s'arrêter de danser, oh oui, au bal masqué, elle ne peut pas s'arrêter de danser. » Voilà, ça, c'est ça. Voilà. Dominique Farrugia a dit de vous, Hanouna, il n'est jamais aussi bon que quand il est mauvais. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Vous allez vous lever, vous allez demander... Tenez, on vous a mis des accessoires. Oui, moi, je vois ça. Et vous allez chercher quelqu'un dans le public et lui faire un défi. D'accord. Très bien. Alors, vous pouvez prendre autre chose aussi. Non, j'ai déjà la personne. J'ai déjà la personne. Capillairement, elle me plaît beaucoup. Capillairement, c'est quelqu'un que... Bonjour. Est-ce que vous voulez participer au défi avec moi? Allez, avec moi. Alors, comment vous vous intitulez? Allez, vous parlez dans le micro. Anguy, applaudissements pour Anguy. Anguy, vous mettez bien le micro. Allez-y, Anguy. Comme ça. Anguy, combien? Non, je sais, je sais que le record du monde pour manger tout un oignon, c'est 1 minute 29. Non, vous pouvez vérifier chez vous. Il peut le battre. Est-ce que vous pouvez battre ce record d'une minute 29 pour manger tout l'oignon? Il peut le battre. Ouais, je peux essayer. Vous pouvez essayer? Allez, des encouragements. Vous l'enlève. Ah, mais attends, vous étiez pas de mèche. Ah, pas du tout. Non, de mèche, non. De mèche, c'est pas de mèche, non. Il va essayer de battre le record du monde. J'ai des chewing-gums pour après. Ah ouais, c'est terrible. Bravo, Steve. Belle esprit de camarade. Ah, allez, attention, 1 minute 29. C'est parti, Angie. Ah oui, il va battre le record du monde.
De l'eau. Allez, de l'eau pour Angie. Allez, Angie. MJ ne veut plus, il arrête. MJ, il ne me parle plus, il ne veut plus me parler. MJ, un petit peu d'eau, un petit peu d'eau, un petit peu d'eau. On en a combien? On en a combien en régie là? 45 secondes! Quoi? Il a battu! Non, ça déconne. Mais vous avez l'habitude de bouffer du piment cru ou quoi? Ah, j'ai l'habitude de manger des oignons parce que c'est bon pour la santé en fait. C'était c'est vrai que c'est bon pour la santé. Eh ben c'est bon pour la santé. Angie, je vous embrasse. Non. Il a battu. Il a battu le record. Bravo Angie. Merci. Hein. Je vous raccompagne. Merci. Merci Angie. Merci Angie. Alors j'étais persuadée, Cyril. D'abord que vous trouveriez jamais quelqu'un pour faire ça. Alors je suis assez épatée parce que on va partir parce que ça c'est quand même un truc c'est difficile quoi. Là il y a tout le public qui s'est évanoui hein. Voilà. Nous sommes en train de les perdre. Dites-moi juste une plaquette de beurre, les gens avalent une plaquette de beurre. Pas une plaquette entière, c'est très très dur. On a fait une demi plaquette. On l'a fait. Ah bah ça change tout. Oui. Allez MJ, deuxième défi, la plaquette de beurre. Ouais. Non, mais... C'est très dur, la plaquette de beurre c'est un des défis les plus durs. Alors maintenant, on va vous faire un défi à vous. C'est un petit exercice qu'on a vu sur internet qui nous a... on a trouvé ça assez amusant. On va d'abord envoyer le magnéto, c'est parti. Regarde. Regarde, regarde bien. Alors, c'est bon, j'ai... et merci. On va voir, on va tous essayer de le faire. Allez-y. Je ne sais pas si ça marche. L'idée donc, c'est qu'on casse l'œuf aux deux extrémités. Hein. Aux deux extrémités. Voilà. Non, voilà. Il est debout. Ah, oh, j'ai réussi. Non. Et il a réussi. Bravo. Histoire de, il faut laisser la pellicule de l'œuf à l'intérieur. Ah, elle a réussi, elle a pondu. Après avoir été maladroite. En bas. Voilà, voilà, voilà. Voilà. C'est fort. C'est bon pour le défi. Et je crois qu'il est temps de passer à la semaine de Cyril Hanouna par Jérémy Michalak. Alors Jérémy. Vous savez, chaque semaine, je suis les invités sans qu'ils s'en rendent compte. J'ai espionné Cyril et j'ai vu de belles, belles, belles choses. Enfin, pas toujours belles. Et on commence avec le lundi. Semaine de préparation physique et mentale avant les tournages de l'émission Hanouna Plage. Tout l'été, vous allez faire le foufou dans les campings. Alors forcément, vous avez besoin de suivre un petit training pour être au niveau. Et ça commence dès le lundi. Leçon numéro 1, ta barbe, tu raseras. Alors pourquoi se raser la barbe? Parce qu'il va faire chaud? Non. Pour éviter d'y retrouver les poux et les morpions de votre voisin de tante? Non plus. Alors pourquoi? Eh bien simplement, la vraie raison, c'est que la barbe, ça va vous faciliter les choses pour pécho des filles. Ah. Ça, vous le croyez? Eh bien non, la preuve. Oula. Mardi, vous entrez dans le vif du sujet et vous découvrez les fondamentaux du camping, les rites immuables, les choses incontournables. Leçon numéro 2, toujours être à l'heure à l'apéro. C'est sacré, à tel point que moi j'ai même un copain qui pour gagner du temps a appris à son chien à aller chercher les binouzes. Et vous allez voir, c'est super pratique. Les binouzes. Hey, nice talk. Yeah, this is Piper. You're bred for voilà. Présentation de deux copains. Et toi, ton chien, dis-moi, qu'est-ce qu'il sait faire? Le mien? Il sait aller chercher les bières. Bien joué. Allez, je fais le malin, mais... Et le tien, alors, ton chien, qu'est-ce qu'il fait quand on lui demande une bière? Fergus? Il a une autre technique, lui. Pas mal.
Mercredi. Mercredi, leçon numéro 3, le dieu de la chipo, tu deviendras. Pour épater au camping, la seule vraie règle, c'est de savoir gérer les braises. Mais avant de devenir le pro du barbecue, va falloir prendre quelques cours pour gérer la cuisson. On s'occupera de la merguez plus tard. Pour le moment, Cyril, faut surtout commencer par éviter de faire des boulettes. Sur la vie de tata, c'est pas un couscous qu'on prépare, c'est un barbecue. Et on n'est pas là pour rigoler ou faire des blagues avec ses fesses. C'est toujours très con comme gag. Le stress, quelle horreur. C'est toujours très con. Jeudi. Alors, jeudi, un bon animateur de camping, c'est un gars qui sait divertir la clientèle. Matin, midi et soir, jamais à court d'idées, toujours une blague sous le pied et chaque jour un programme différent. Et pour s'amuser entre vacanciers, rien de tel que quelques activités de plein air. Attention, certaines disciplines, pourtant simples, méritent quand même un peu d'entraînement. C'est vrai, c'est qu'on ralentit, on prend bien conscience de l'ampleur de la chute. Ah ouais. Et ça se fait le détour. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vendredi. C'est bien. Vendredi, Jérémy. Après tous ces efforts, vous décidez quand même de profiter un peu de la plage parce que le camping, ça va 5 minutes, mais vous, l'été, votre kiff, c'est quand même de draguer on the beach. Et ça tombe bien, il y a une plage à deux pas de claquettes de votre mobilhome. Reste plus qu'à trouver votre cible et comme votre truc, c'est les grosses poitrines, j'ai peut-être trouvé ce qu'il vous faut. C'est bien ça. Bon, elle, c'est pas sûr que ça soit une bonne idée. En revanche, un peu plus loin sur la plage, il y a deux filles qui sont plutôt pas mal. Sauf que maintenant, Cyril, il va falloir assurer. C'est l'occasion de roder une nouvelle technique d'approche, une nouvelle technique de drague, celle dite du poète surfeur. Le principe est simple et vous allez le comprendre. Le poète surfeur, c'est lui. Trouver un coquillage, brancher deux filles et leur dire: les filles, vous savez ce que m'a dit l'océan? Que vous êtes les plus jolies filles de la plage. Et ça, ça marche. Sauf que ça marche pas pour tout le monde. Eh les filles, vous savez ce que m'a dit l'océan? Ah, quelle horreur! Bravo, Jérémy! Voilà, Cyril! En espérant que les téléspectateurs qui ne vous connaissaient pas encore aient eu une petite idée de qui vous étiez. Effectivement, bah, personnage merci. Fort sympathique. Merci de m'avoir invité. En tout cas, j'étais très content de venir. Merci. Donc, je rappelle qu'on vous retrouvera cet été à partir du 1er juillet sur France 3 dans Hanouna Plage. Exactement. C'est le dimanche. À 20h20. À 20h20. Je vous souhaite très bonne chance merci, parce que France 3 est une chaîne qu'on adore. Attendez. Un dernier mot, Gérard. Vérification, Christine. Il sera tous les dimanches. Donc, combien de fois par semaine? Une fois par semaine. Au revoir, Cyril. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Bonne chance. Allez, on va maintenant accueillir Véronique de Villèle. Moi aussi, ça me fait plaisir. Bonjour, Véronique. On fait de la gym ensemble ou quoi? Oui, ça nous arrive. On en a fait. Ben oui, parce que vous aviez l'air de vous connaître. Que nous, on se connaît, mais Dieu sait qu'on n'a pas fait. Dis donc, ça fait des effets incroyables, la gymnastique, sur vous. Alors, ben, je vais vous dire un truc. Alors, je vais vous dire un truc, justement. Quand j'étais revenue de vacances... tout le monde m'avait dit: qu'est-ce que t'as maigri, qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, je n'avais fait aucun régime. Que du sport. J'étais passée par les mains de Véronique qui m'avait conseillé
une très bonne salle de sport et un entraînement soutenu. Et je m'y suis tenue. Bravo, c'est et vrai. Et j'ai témoin. Effectivement. Alors, t'as arrêté quand ? Eh ben alors justement, Véronique. Alors justement, on va y venir. D'abord, je précise quand même que Véronique est avec nous ce soir pour son livre Véronique sans Davina, qui sort aux éditions Artelena. Et puisque effectivement ma copine m'a posé cette question, autant y aller tout de suite. Allons-y. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant 4 mois, j'ai été assidue. Je l'ai fait avec le coach. Dans les salles que vous dirigez, plus à la maison, avec le même coach que j'adorais. C'est vrai. Et j'en ai eu ras-le-bol. Pourquoi ? J'ai arrêté. Pas normal. Est-ce que je suis mauvais élève ? Qu'est-ce qui peut bien se passer, alors ? Alors que... Moi, j'ai des élèves qui me suivent depuis plus de 20 ans. Il y a je un truc, sais, là. Véronique. Zut, alors, 25 mais ans, même. Il y en a bien des gens comme moi qui, non. Au bout d'un moment... La majorité des gens arrêtent le fitness et c'est à nous, professeurs, de les tenir en main. Moi, je donne des cours depuis 28 ans. J'y vais tous les jours avec des godasses un peu en plomb. Je vais vous faire mais une mauvaise quand on y est... Ça fait 28 ans que je suis ces cours. Vous êtes non, très désagréable. Véronique, elle a quand même une énorme qualité, c'est qu'elle y est. Elle est au charbon, c'est-à-dire qu'elle est... Donc je prends le cours, je donne pas. Je suis pas assise sur un tabouret en train de faire monter le dos, descendre les épaules. Elle est là, c'est temps. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui détestent le sport en salle comme moi pour nous motiver à y aller ? Un très beau coach. Je vous réponds, cher Perry, je vous attends dans mon cours de barre au sol que je donne tous les matins. Et si vous ne restez pas dans ce cours, parce qu'elle est quand même restée très longtemps, oui, elle dit qu'elle est partie, elle est restée des années. Ouais. Et si on a un peu d'envie et qu'on se trouve dans un lieu qui est joli, j'ai la chance d'être dans des clubs à Paris qui sont très beaux. Si le professeur sait vous prendre en main, qui vous change les musiques, qui s'occupe de vous. Moi, j'ai une réputation dans mes cours à laquelle je tiens. Qui que ce soit, j'ai beaucoup de gens connus qui prennent mes cours, mais j'ai aussi la boulangère de la rue, j'ai de tout, des gens gros, des gens faibles, tout le monde est à la même enseigne. Et je fais absolument le distinguo, tout le monde est un cas dans un cours. Alors, je veux préciser pour la très jeune génération qui ne connaît pas Véronique, c'est que Véronique a fait un duo avec Davina pendant des années. Exactement, c'était une émission qui s'appelait Gym Tonic de 1980 à 1987. Écoutez la musique. Sur France 2. Sur France 2 ? Et alors ? Donc, Véronique était la blonde du duo et s'appelle Véronique sans Davina. Alors moi, je pose une question, mais je connais la réponse. Mais pourquoi, qu'est-ce que vous en avez fait de Davina ? Davina va très bien, on travaille toujours ensemble dans les fameux 5 clubs à Paris. Elle donne beaucoup de cours, plus que moi d'ailleurs, parce qu'elle est plus courageuse. Elle est une grande spécialiste, mais depuis toujours, bien avant notre émission de gym tonic, de yoga, de relaxation, oui, de elle qigong. Est plus zen. Elle est totalement zen. Nous sommes aux antipodes. On vit sur deux planètes différentes toutes les deux, mais on s'adore, on s'entend vachement bien. Et voilà, Davina est ma sœur. Elle fait un très joli témoignage d'ailleurs dans le livre. Et c'est quelqu'un que j'adore, que j'admire, parce qu'elle a une force extraordinaire. Et c'est quelqu'un vraiment de profond et de très très bien. Vous vous rendez compte que ça fait 30 ans que nous travaillons ensemble. Ouais. Il y a vraiment une vraie amitié. Moi, j'aime les amitiés longues. Dans ce livre, d'ailleurs, j'ai certains témoignages comme celui d'Alain Delon, qui est quelqu'un que je connais depuis 40 ans, ou Mireille Darc, ou Henri Salvador. C'est on va vraiment, en parler. Voilà, c'est de l'amitié. Moi, j'aime entretenir l'amitié. J'aime appeler mes amis pour leur demander s'ils vont bien et surtout pas pour leur demander quelque chose. Alors, on va vous voir, jeune fille, parce qu'il y a ces photos... j'ai 14 ans là. Vos cheveux, vous avez 14 ans sur cette photo. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette tignasse ? On a plusieurs photos. On sait que vous avez bossé chez Carita. Ça, c'était une photo faite chez Carita pour la couverture de Vogue américain. Et c'est Christophe Carita qui a dessiné ça comme ça. Moi, j'étais allongée par terre. C'est vos vrais cheveux ? Bien sûr que c'est mes cheveux. Mais comment vous avez fait ? J'avais les cheveux sous les fesses. Oui, mais comment vous avez fait pour avoir j'ai la chance, je crois que c'est de famille. J'ai les cheveux sous les fesses, mais c'est pas les miens. Mais moi, c'est bizarre parce que je vous connais justement. Je connaissais Véronique et Davina, bien évidemment, mais je vous connais plus sous l'IFRAD. Bien sûr, vous avez la gentillesse de venir tout le temps, bien sûr. Mais oui, vais avec Madame Barrière. Gens, c'est une association qui s'occupe pour les gens qui sont atteints d'Alzheimer. Absolument. Et Véronique est très impliquée. Elle a d'ailleurs organisé un spectacle avec Alain Delon et Mireille Darc à Marigny. Cette année, c'était Alain Delon. Association. Ouais. Et alors, parlez-nous justement de tout ça. L'IFRAD est une. Moi, j'ai perdu mon père il y a 5 ans, qui est mort d'un cancer du poumon, donc il n'avait strictement rien à voir, mais il avait des petites séquelles de perte de mémoire, donc ça nous a inquiétés.
J'ai rencontré un docteur, j'ai trouvé formidable, que j'avais invité dans l'émission que je dirigeais à l'époque sur une chaîne de radio. Et je trouvais que ce monsieur était formidable. Et mon père, il lui a fait faire un scanner. Bref, il m'a dit, il est en train de rentrer dans cette maladie. Et quand j'ai perdu mon père, que voilà, qui est très beau, qui était magnifique, Olivier de la Doucette, pour ne pas le nommer, m'a dit, il faut que vous veniez près de moi, je vais monter une fondation, on va s'occuper de ces gens-là, vous allez voir ce que c'est, etc. Il y a des moyens de retarder la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, le sport est déjà une chose très importante. Le professeur Dubois, qui est le président scientifique de l'IFRAD, en parle beaucoup. Le docteur de la Doucette, qui est le président de l'IFRAD, ne cesse de le dire, parce qu'il a la gentillesse quelquefois de venir faire des conférences dans des choses que j'anime. Voilà, et beaucoup de gens connus qui étaient là cette année. Et quand on voit ces gens qui sont des acteurs et d'actrices extraordinaires et qui sont en train d'avoir cette maladie, on a vraiment envie de lutter. Voilà. Il y avait quand même du beau monde aussi. Ah, il y a du beau monde aussi dans le livre. Alors, je vous trouve bien calme là. Ah, bon ah oui, quand je la vois dans la vraie vie. Quand j'ai fait le grand écart, là, qu'on fasse. Non, mais quand je la vois. Voilà. Vous arrivez à faire le grand écart. Bon, heureusement, tous les jours. Bien sûr, je fais le grand écart. Ah, bah tiens, tu rigoles ou quoi? C'est un bouquin. Bon, tous les matins, dans mon cours. Tu le fais, Christine? Non, le grand elle écart. Elle le faisait très bien, mais rappelle-toi, tu le faisais très bien. C'est pas vrai. Christine a fait le grand écart, je témoigne. Je suis son coach, j'ai été son coach. Elle a fait pas mal d'écarts, ça c'est vrai. Elle travaillait vachement bien. J'ai fait des grands écarts. C'est vrai. Oui, je travaillais vachement bien. Vachement bien. Mais je travaillais vachement bien. Un petit... Vous avez lu le livre de Véronique. Oui, évidemment. Mais je voulais savoir si, quand vous regardez toutes ces photos, est-ce qu'il y a aujourd'hui de la nostalgie? Zéro. Ou pas du tout? Zéro. Parce je suis très sincère. Parce que vous avez sincère. Été une énorme star à l'époque de... J'aime pas le mot star. Star, faut faire l'Académie française et il faut faire le... Non, j'ai rien. J'ai été quelqu'un de très, très connu à la télévision. Qui faisait toutes les couvertures de magazines. Mais oui, j'ai fait 27 ou 37 regardez, une. Toutes mais... les couvertures qu'elles ont fait, ces mais deux filles, quand même. Non, on avait la chance d'avoir une émission qui touchait tous les dimanches matins, je sais pas si vous imaginez, entre 10 et 12 millions de téléspectateurs. C'était énorme, énorme. Donc c'était ça veut énorme. Dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un mec sur son tracteur au fin fond de la Beauce qui ne nous connaisse pas. Car si on n'était pas à la télé, on était à la radio. Si on n'était pas à la radio, on était dans les journaux. Donc voilà. Il y a une question que les gens doivent se poser. Est-ce qu'on peut commencer à n'importe quel âge à faire du sport? Et combien faut-il au minimum pour avoir des résultats? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut alors, vraiment réponse. Une assiduité monstrueuse? Parce que si on nous dit qu'il faut tous les jours... Une heure et mais dans non, 10 ans, les gens ça comme moi, mais non. T'attends. Non, ça dépend ce que vous attendez. Il y a, d'abord, maintenant, il y a des machines magnifiques comme cette fameuse que tout le monde connaît maintenant, PowerPlate. Si vous faites 5 minutes de PowerPlate tous les jours, ça vaut une heure et demie de cours avec moi. C'est très vrai. Mais non, non, bidon. Attends. Bidon. Demande-moi, je vais te procurer la vraie, la belle, la grosse. Oui, mais ça coûte vachement cher. La vraie, la belle, non, la grosse. C'est une machine qui a elle été inventée. Elle est efficace. Ça a été connu et reconnu. Elle a été inventée par un médecin pour les astronautes qui partaient dans la NASA et pour pas qu'ils aient des courbatures, on leur a fait cette plaque vibrante. Un petit mot oui, de Gérard. Oui, juste, vous avez été... Moi je suivais évidemment Gym Tonic, c'est un des plus beaux souvenirs de télé que j'ai quand j'étais petite, parce que je trouve qu'il y avait une énergie, une sympathie. Je me rappelle d'ailleurs de l'épisode où Bernard Tapie était venu vous rendre visite. Ouais. Moi, tous les dimanches matins, je m'habillais, je me mettais devant Gym Tonic, je trouvais génial. Ça fantastique. Mais vous avez été, alors, chose que moi j'ignorais, vous avez été sévèrement attaqué au lancement de l'émission. On a même fait courir des rumeurs pas possibles sur le fait que Davina était morte en plein cours, exact. Que c'était extrêmement dangereux ce que vous faisiez, qu'on pouvait mourir de crise cardiaque à tout moment, sûr, que la gym de façon comme ça, tonique, c'était terrible pour le corps. Il faut faire les choses modérément, il faut en tout cas se faire conseiller. Et il y a eu des rumeurs sur nous qui étaient simplement des rumeurs de jalousie, parce qu'on n'a pas voulu dire au début avec Pascal Brugnot, qui était notre coproductrice, que nous étions diplômés. C'est vrai qu'on a pas mal de diplômes, on en a voir un peu beaucoup. Et on s'est dit, si on arrive, on va dire, oh là, alors, médaille d'or de ci, médaille d'or de machin, ça va gonfler les gens. Tout ce qu'on voulait, c'était leur dire, regardez la caméra qui est là, et leur dire, avec vous, maintenant, montez le dos, descendez les épaules. Et quant à la mort de Davina, ça a duré un an. Ça, c'est horrible. On disait que Davina était morte. Et alors là, c'est comme moi, on disait que j'étais héroïque. On disait, allez, vraiment, la fille est costaud, la fille, elle donne son cours, elle perd sa meilleure amie. Putain. Et maintenant, l'entretien d'embauche de Gérard Muller. Je me fais apporter, regardez, une boîte. J'adore et cette boîte que j'ouvre, à l'intérieur, il y a les 500 euros que je veux vous envoyer. Je les mets à l'intérieur de ma boîte et j'appelle un gentil coursier. Si tu veux bien, Michalak, jouer ce rôle. J'ai toujours rêvé de faire ça. J'appelle ce gentil coursier, mais Michalak, évidemment, je m'en méfie. Est-ce qu'il va bien vous apporter cette boîte avec les 500 euros? Est-ce qu'il ne va pas les voler? Alors, voleur. J'ai un cadenas. Vous avez vous-même un cadenas. Et je me dis, je vais fermer ma boîte avec un cadenas. Mais évidemment, si je ferme la boîte avec un cadenas, vous n'aurez pas la clé. Eh oui.
Et pourtant, il y a un moyen, uniquement en envoyant Jérémy, d'obtenir pour vous cet argent sans qu'il le vole. Alors, comment est-ce possible? Je vous donne le premier élément. Je ferme à clé la boîte. Il ne peut plus la voler. On est censé avoir le même cadenas. On est censé avoir deux cadenas différents avec deux clés différentes, ce qui est le cas de tous les cadenas. Bah alors, comment est-ce possible? Combien de trajets? Bonne question. Il y a plusieurs trajets, il faut que vous réfléchissiez. Il y a plusieurs trajets. C'est très amusant quand on connaît la réponse. Bon, alors, s'il y a un premier trajet, apporte-lui la boîte. Bah oui, elle a la clé. Non, non, elle n'a pas la clé. Ah, c'est pas la même clé. Bah non. Alors, toi, elle va changer de cadenas. Elle ne peut pas ouvrir mon cadenas. Non, je ne peux pas l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je prends la boîte. Pas tout seul. Je prends la boîte. Voilà. Je ne peux pas l'ouvrir. Non. Je mets mon cadenas. Attends, je crois que j'ai trouvé. Bougez pas. Je ferme. Vous me le renvoyez. Je demande au coursier de le renvoyer. Allons-y, on va voir si ça marche. Voilà, allons-y. Merci beaucoup. Vous me le renvoyez. Ce que vous ne saviez pas, c'est que mon père est serrurier et je me casse avec ça et je vous emmerde. Quand tu vas l'ouvrir, elle va ça. Attends, là, je l'ai fermé. Vous avez évidemment trouvé. Elle me renvoie la boîte avec les deux cadenas. Voilà. Moi, tout simplement, j'ouvre mon propre cadenas. Évidemment. Eh bien, il va me la renvoyer. Et je renvoie la boîte. Il me la renvoie et j'ai ma clé. Mais ça fait quoi? À Davina. Et voilà. Véronique, depuis des années, hein. Ça fait des années qu'on m'appelle Véronique, ça fait un paquet d'années même. Je le renvoie à Véronique, et Véronique, c'est très facile maintenant, regardez fastoche, ce qu'elle fait. Fastoche. Elle ouvre. Avec ma clé. Avec sa clé. Et voilà. Et avec le prix de la course, ça t'a coûté 600 euros. Voilà. Avec les et on croit. Bravo, Véronique. Merci, c'est gentil. Bravo, Véronique. Bien. Alors, Véronique, on va passer à autre chose. Vous ne connaissez peut-être pas encore... Mais je vous propose de rencontrer un homme qui tenait absolument à vous voir. J'adore l'idée. Il a une discipline assez proche de la vôtre, à une exception près. C'est que lui n'hésite jamais à frapper, voire à tuer. Voici Chuck Norris. Wow. Ça va, on va pas se faire des bisous toute la soirée, non? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir les copains. Excusez-moi, je me suis encore un peu énervé en coulisses. Qu'est-ce qui s'est passé, Chuck? À chaque fois... Hélène et les garçons! À chaque fois que vous venez ici, vous fracassez quelqu'un. Oh, putain, ça va être compliqué. Je te réponds de la même manière. Mais là, mais c'est l'autre, là, Cyril Hanouna, qui m'a énervé. Putain, j'aime pas ces blagues à celui-là, le jeune comique que tu as invité juste avant. Ouais. Il a voulu me faire manger un oignon. Je sais pas pourquoi il fallait que je mange un oignon. Et donc, moi, du coup, je me suis énervé. C'est lui qui l'a pris dans la gueule, l'oignon. Tu vois pas ce que je veux te dire. Voilà. Là, voilà. Et d'ailleurs, je lui ai rajouté dans la gueule quelques coups. Tiens, voilà son bras. Cadeau. À partir de maintenant, ce petit branleur ne pourra plus vaquer à son occupation favorite. Bon, bon. C'est bien compris. Alors, bon, calmez-vous, Chuck. Calmez-vous, Chuck. Vous êtes venu pour rencontrer Véronique. Ouais, effectivement. Bonjour, madame et Davina. Véro, de ton prénom. C'est ton nouvel ami Chuck qui s'adresse à toi. C'est ton nouvel ami Chuck à l'appareil. Putain. Je suis trop heureux de te rencontrer, ma Véro. Mais vraiment, tu sais pourquoi? Parce que je suis un fondu de ta personne. Tout simplement, un fada de toi. Depuis le jour où je t'ai vu dans ton émission, surtout à ce moment précis, vidéo en régie. C'est ça? Regarde-moi. Regarde-moi la beauté de ce corps. Le garde est parfait. Elle est venue avec ses deux meilleurs amis, Jean-Louis et Jean-Jacques, qui sont là en train de danser. Terminé. Depuis ce jour, à chaque fois que je vois un gel douche, j'ai des problèmes sanguins. Tout d'abord, Michalak, fais pas le malin, je vais t'exploser la face, je te jure. Je te promets, là, j'ai été carté, je suis chaud. Tout d'abord, permets-moi de te féliciter pour ton bouquin. J'ai adoré. Même si j'en suis qu'à la page 17.
18 heures de kung-fu par jour, les amis. Ça laisse pas beaucoup de temps à la lecture et au développement cérébral. D'accord? Faut le comprendre, c'est vrai. Moi, ma tête, jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a servi qu'à donner des coups. Alors, vous n'avez pas l'intention de nous faire du mal ce soir, puisque je crois que vous aimez beaucoup Véronique. Absolument. Véro, j'ai appris plein de choses grâce à toi et j'aimerais déjà t'en remercier. Stevie, ta gueule. Déjà, la préface de ton bouquin a été écrite par Johnny Hallyday. Eh ouais, mon pote. Qu'est-ce que ça veut dire? Première info, putain. Johnny sait écrire. Génial. C'est génial. Et ça veut dire quoi, en deuxième information? Il y a une petite asiatique qui est magnifique dans le public. Ça veut dire quoi, en deuxième information? Eh bien, tout simplement, qu'on peut tous le faire. Voilà. On peut tous écrire. Même toi, jeune Michalak, quand tu seras passé en CE1. Même toi, Stevie Boulet. En menant ma petite enquête, agrémentée de quelques pertes de dents, je ne vous cache pas. J'ai appris que Johnny avait mis plus de temps à écrire la préface que toi le bouquin. Va savoir maintenant que la préface, c'est une page. Vous avez Christine, déjà tu enchaînes. Vous avez... Allez, enchaîne avant que je te lâche, Christine. C'est dur, hein, c'est dur. Vous avez déjà essayé d'écrire, Chuck? Comment? Bien, tu vois, comme quoi, souplesse. Parfois, quelle souplesse incroyable. Merci beaucoup. J'aurais peut-être pas dû le faire, cela dit. Il n'est pas épilé. Je ne cache pas que ce soir, j'ai mal dormir. Allez, enchaîne, Christine. J'ai déjà enchaîné. Vous avez déjà essayé d'écrire, Chuck? Tout à fait. Bravo. J'ai déjà entamé l'écriture de mon bouquin. Le problème, c'est qu'il y a eu, comme disent les intellos, Miller, tu connais ce mot, il y a eu un malentendu. Va savoir que moi, on m'a dit, pour écrire un livre, il faut savoir taper à la machine. J'ai dit OK. J'ai tapé un nombre incalculable de personnes avec une machine. Mais jamais il y a eu de bouquin. Il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de décès, mais jamais un seul livre à l'horizon. En tout cas. Ah, je te ferai jamais de mal, va. En tout cas, Véro, j'ai envie de te tirer mon chapeau bas à la souplesse. Parce que cette personne que vous avez devant vous est d'une souplesse exceptionnelle. Je t'admire depuis très longtemps, même si pour moi la gymnastique, c'est un sport sans intérêt. Pourquoi je m'explique? C'est simple. Tonique ou pas, on me la fait pas, moi. Y a personne à fracasser. Qu'est-ce que c'est, ce sport pourri? Je vais t'enchaîner. Il n'y a personne à fracasser. C'est dommage parce que c'est beaucoup de transpiration inutile, tout simplement. Cela dit, le lieu où tu le pratiques, ton sport, s'appelle bien le gymnase. Du grec ancien, la gym, c'est pour les nazes. Terminé. C'est dommage parce que ça, avec cette souplesse, photo en régie. Ah oui. Regarde-moi la souplesse, s'il te plaît, je t'en supplie. On constate sur ce document photographique qu'il y a un champ de possibilités chez toi extraordinaire. Extraordinaire. Miller, petit espiègle, calme-toi, je parlais de sport. J'ai vu ton œil briller. Alors, Véro, je te propose de venir dans mon dojo, alias le Chuck Morris Brushing Center, parce que je m'occupe aussi des cheveux des clients. N'importe quoi. Je te présenterai... Je te jure, bravo. Elle n'est pas terminée l'année. Hein. Pardon. Je te présenterai ma meilleure amie, ma passion, la violence. Parce qu'avec toi, tes mouvements de souplesse, moi, mon sens aggravé du bon sens, c'est-à-dire que je n'en ai aucun, on va faire des choses de folie ensemble. Tu es la bienvenue. Salut les kids, salut les copains. Voilà, c'était le Chuck Morris. Messieurs, on a passé une heure formidable, dont un bon moment avec Véronique, sans Davina. Je rappelle la sortie de ce livre aux éditions Art Helena. Alors, c'est la vie de Véronique, c'est sympa. Si vous voulez tout savoir, et puis surtout, si vous voulez rencontrer en vrai Véronique, c'est facile, on n'a pas le droit de faire de publicité. Allez, mais enfin, sur mon site, allez, vous devriez trouver normalement jeu, ça aussi. Dans quel club officie ma camarade Véronique, c'est elle qui donne les cours de bar au sol et je vous le conseille vivement. Voilà, un petit peu après 11h, c'est On n'est pas couché avec mon ami Laurent Riquier. Merci à tous. Merci. Ciao, ciao.